Bullion 29 et The... Non, pardon. The Bullion 29 et... Gotokune. Bah pour un nouvel épisode de The Duplex Show. Pour une fois que c'est moi qui fais l'intro, je suis content. Ouais, c'est vrai. Donc là, eh bien, on va découvrir nos skins puisqu'on s'est pas encore vu et on a décidé de... Oh, il y a un creeper juste à l'entrée. Casse-toi. On a changé de skin. Ouais, et on n'a pas, pas encore regardé. Personnellement, je vais juste vous montrer vite fait avec une vue. Pareil. Alors moi, après... moi je suis, bon bah vous ne voirez pas de pire, moi, vous allez voir sur la chaîne à Gotok, donc je vais pas dire parce que Gotok sait pas qui je suis. Ah bah tiens, ça y est, regardez, je suis un personnage plutôt connu du monde du jeu vidéo. Ça y est, je repasse. T'es prêt, Gotok? Moi j'ai un vieux casque tout pourri avec des grosses roues plaquées dans le pire. Oh là là. Bon, prêt, 3, 2, 1. 2. Et ouais, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, moi je suis Super Mario. Ah, tu peux l'appeler Mario. Et toi, t'es Hulk, je crois. Sauf que Hulk, je crois pas qu'il avait ces trucs là. My fucking god, je me demande qu'est-ce que ça fait quand on a. Oh putain, quand tu baisses la tête, c'est hilarant, mon gars. Je suis trop beau, regarde. Ah oui. Voilà, cet épisode, on va le consacrer à la découverte de la mine, puisque là on est assez bien équipé. Entre les épisodes, on a pris de la viande. Bon bah je pense que vous aurez remarqué, même si on s'est un peu emballé sur les skins, qu'on a un petit peu changé la maison entre temps. Donc c'est une décision que j'ai prise sans en parler à Gotok, c'est qu'on changera la maison que pendant les entre les épisodes, quoi. Bon, maintenant, ça me ce sera moins chiant pour vous, plus amusant pour nous, et comme ça il y aura plus que de l'exploration de mines, et puis voilà, on aura une jolie maison. Bon, moi je suis descendu, hein. Ouais j'arrive, je suis juste derrière. Palapa palam pam pam. Allez, Mario descend dans les égouts. Alors déjà, bonne nouvelle, il n'y a pas de monstre pour l'instant. Alors ah merde, j'ai oublié de prendre les torches. Ah merde, les torches, oui. Alors pour la double tranchée à moitié finie, vous inquiétez pas, on n'est pas autiste, hein, c'est juste moi qui voulais dire un peu de cobblestone. Ah ouais, c'est pour ça. Je me suis dit bizarre, ça a changé. Ah c'est toi. Bon. J'avais la flemme d'aller au bout, sérieux, putain, il y avait que du gravier après. Fuck, pourquoi il y a du gravier, ça sert à rien de gravier. Alors, les tu torches prends sont la moitié. Dans le coffre. Je prends la moitié. Alors, tac. Et voilà, et je vais mettre ça à la place de ça. Tout ça, ça sert à rien. Vamos. Ah. Allez go! Vamos à la playa! Ah oh non, pas celle-là, je déteste cette chanson. On est trop pourri avec la meuf avec sa voix aiguë là. Vamos à la playa! Elle s'appelle Luna. C'est Luna? Oh là là, mais. Les noms pourris, tu sais. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Faut écouter du pour rock. Putain, attends, je vais peut-être pas aller trop loin. T'es déjà rendu à l'autre bout, toi? Bah, je suis tout en bas là. Bah oui, je te vois. C'est pour ça que j'ai dit l'autre bout en fait, tu vois. Tiens, j'avais pas vu qu'il y avait des grottes juste à côté de l'entrée. J'ai jamais fait attention. Des quoi? Les grottes. Bon bah on va découvrir ça alors. C'est parti. Bah attends moi je les ai pas vus non plus. Bon je fais un petit escalier pour y accéder. Ok j'arrive. Alors je suis toujours aussi lent, hein. Super Mario ne m'aide pas. Putain c'est flippant. Bon bah ça monte hein. Ça lag à moitié. À moitié? Ah t'as de la chance pour une fois. Alors tu sais quoi, je vais me déconnecter, je vais revenir tout de suite. Ok. Alors tu restes là que je te retrouve, parce que déjà tu retrouves pas quand je suis pas déconnecté. Sinon... Bah je te vois là. Si bien sûr. Bon, voilà. J'ai déjà 4 de fer sur moi. Et où? Ah bah oui mais je t'ai dit de pas bouger. Hein. C'est bon. Ne t'inquiète pas, ah putain. Il y a un trou dans le sol. Ah bah c'est... Coucou, ouais. Ah bah non plus coucou. Bon là j'entends un zombie, je suis pas très... Alors moi quand je me suis connecté, je les ai vus, ils sont tous derrière là-bas. Oh il est bizarre le pilier de la mine là. On dit... Ah c'est des barrières. Alors regarde où je suis, tu vois. Non. Regarde là. Ah si. Tu montes là. Là. Ah c'est ça ton escalier que t'as fait pour les grottes. Et ici, regarde où je suis. Oui mais c'est bon, je suis pas totalement autiste non plus. Quoique. Joueur du grenier, une grande référence pour nous. Ouh là là, ça monte. Je pense que la plupart de nos tests seront assez inspirés de lui en fait. C'est notre gourou si vous comprenez bien. Notre gourou.
Ouais, ah, notre salutations au joueur du grenier qui ne verra sans doute jamais cette vidéo. Ah, ce serait bien de s'y faire. Oh, oh, oh. T'imagines le joueur du grenier qui commente nos vidéos. Salut les amis. Là, on va passer de 20 vues à 100 000 vues. C'est... Alors là, c'est complètement bloqué, il n'y a rien à voir. Ah ouais. C'est déjà ça. Alors... Fais gaffe en descendant, si tu descends plus... Seb de joueur du grenier qui commente nos vidéos. Non, moi je préfère joueur du grenier, connard. Hein? Je préfère juste grenier. Moi. Oh non, l'autre avec sa petite voix aiguë, je kiffe trop. T'es passé, ah t'es juste là. Mais ça, une vraie voix aiguë ou c'est faux? Je pense qu'elle est trafiquée quand même, parce que le pauvre, s'il le voit comme ça, à sa place, je me serais déjà suicidé. Mais bon, je vais pas me foutre de sa gueule, c'est un fan de Zelda, et entre fans de Zelda, on se respecte. Ah, il y a du bois. Bon, bah c'est... Il y a du bois? Ah oui, bah de la mine, quoi. Oula, il y a un zombie vraiment pas loin. C'est bizarre, c'est tout noir ici. Là, juste là où je regarde, je sais pas si ça fait pareil pour toi. Ah, un bloc invisible, ouais. Oh là là, un zombie. Oh my fucking god. Ah bah, oh là, il a bugué, il a disparu. Ah bah, ah oui, bah pareil. Ah non, il est en dessous. Hein? Il est en dessous. Ah putain, sa maman la prostituée. Tiens, vas-y, crève, connard. Oh, il y a mon zombie. Oh la merde, oh sa maman. Oh, c'est trop bien. Oh, je m'en nourris. Oh là, je suis mort. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bourré de zombies, fais gaffe. Oh merde, j'ai pas vu. Oh non, putain, j'ai fait 4-2, mon gars, 4-2. Si tu pouvais récupérer mon inventaire, ça m'arrangerait. J'avais plutôt pas mal de viande en fait. Y'a un donjon en même temps, juste à côté. Oh putain, si j'avais su. Oh la merde. Je vais tuer un petit zombie, moi, merde. Et hop, ah, y'a un livre dans l'endroit du respawn maintenant. Je me récolte tout ce qu'il y a dans le donjon, tranquille. Par contre, reviens, j'ai pas trop envie. Ah, tu l'as déjà détruit? Ouais, non, en fait, je sais pas, y'a un coffre avec rien dedans. Avec aucun donjon à côté. Dès que j'ai vu le donjon, dès que j'ai vu le coffre, je me suis dit, tiens, y'a un donjon, mais en fait, ça avait rien. T'as mis, hein. Et bon bah je rentre à la maison. Bah désolé les gens, je suis mort au bout de mes bottes 2 minutes. Ça fait 4-2. Hein. Eh connard. T'es récupère surtout ma viande en fait, c'est ça qui est le plus chiant. Parce que dans ce serveur en fait c'est pas la vie qui descend rapidement, c'est les viandes. Et quand on a plus de viande, et ben c'est chiant. Bah c'est en gros on est mort quoi. Bon je remonte à la mine et je t'attends haut. Parce que moi j'ai pas trop. Non, j'ai encore arrivé de nuit à la maison, je sens que ça va me faire chier ça. Parce que j'ai. Franchement, je me demande si on aurait pas mieux fait de faire notre maison pas très très loin en fait. Non, parce qu'à chaque fois, moi j'ai dû être maudit, je finis la nuit. Quand on est pas très loin, il y a la civilisation à côté, c'est chiant, c'est avec les gens. Et reviens, parce que sérieux, moi je flippe un peu là quand même. Non, mais j'arrive à la maison là. Et t'as mon inventaire, hein, tu l'as récupéré. Ouais, t'inquiète. Ok, ils disparaissent pas. Enfin, je crois. Oh, t'es allé là où il y avait mes objets ou pas? À peu près, ouais. Vérifie dans ton inventaire à toi alors. T'as vu, je suis pas rassuré, il fait nuit, ça y est. Tu t'en fous de la nuit. Plus rien. Ah bah y a un zombie qui a spawné dans notre principale grotte. Me demande pas comment vu qu'il y avait des torches. Fais du truc avec les. Je veux dire dans la maison. Non pas dans la maison, je veux dire en bas, c'est dans juste à côté de notre passerelle en gros. À 20 mètres à côté de notre passerelle. Alors là, faut m'expliquer comment il a fait. C'est la vie, les amis. C'est la vie. Oh, un creeper, bon, je m'en fous, il bug. C'est pratique ça, quand même. Ah ouais, franchement, le creeper, en fait, ça doit être le seul monstre qui serve à rien. Bah, si, ça fera tout à. Moi, je l'appelle mode kamikaze, après, tu l'appelles comme tu veux. Moi, je l'appelle le kamikaze. Bah, moi, j'appelle ça un putain de truc qui fait chier, qui sert à rien. Tu sais, ça peut péter ta maison si t'es juste à côté, par exemple. Et puis non, ça te donne rien quand tu le tues. En plus, ça doit être un des monstres qui est difficile à tuer. Ah non, il est super facile à tuer, en deux coups on le tue. Ah bah t'es dans la maison. Oui. Ah je te vois. Sur le balcon là-bas. Coucou. Ah t'es venu vite. Bah ouais, maintenant je connais le chemin. C'est tout petit. C'est la première fois que Hulk va être au-dessus de Mario. Ah connard. Prenez soin de cette... Ouais mais une baston entre Hulk et Mario, c'est largement Hulk qui boxe de bas. Je sais pas hein. Regarde, Mario arrive bien à mettre un dragon de 3 mètres de haut en sautant sur une passerelle et en les sautant sur la tête. Quoique Mario en blanc là, ça peut être pas mal ça. Ça va être une belle baston. Ah Mario feu, j'aurais dû prendre celui-là. Eh ben c'est trop tard. Eh ouais. Oh peut-être une fois. Bon la descente cette mine alors. Là où on peut-être était. Peut-être que pour Noël je changerai de skin juste comme ça. Ouais bon voilà, les gars. T'avances connard. Alors t'avais quoi sur toi? Alors j'avais une épée, une pioche,
Je crois que j'avais une pelle aussi. Une pioche, ouais. Une pelle, ouais. J'avais de la viande. De la viande de zombie, dont une viande de zombie. Ouais. Et rends-moi mon inventaire. Putain, genre, rien que pour le trajet, j'ai déjà fait. Voilà. Voilà. Et j'avais autre chose aussi, j'avais un arc et des flèches, connard. Alors, l'arc, ok. Les flèches, j'en ai pas, genre, par contre. Ah, si, 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 si. Ah, si, elles se sont mélangées avec ce que j'avais. T'en avais 10 à peu près. Ouais. Oula, mais m'envoie pas 10 par 10. Bah, je sais pas comment faire pour en envoyer 10 d'un coup. Bah, tu vas sur. Dans ton inventaire, tu vas dessus, tu cliques droit et puis ça enlève la moitié, tu jettes à côté. Ah, oui, bah, c'est vrai, tout à fait. Bon, la descente. Donc là, je pense que j'ai à peu près tout ce que j'avais. Ah, bon, je me souviens plus de ce que j'avais autrement, mais ça devrait suffire. Eh, la viande, toi! Tu m'as renvoyé que la viande de zombie, j'avais autre chose. Ah ouais, c'est pour ça que j'en ai 6 aussi, je me suis posé des questions. Là. Bah oui, putain, mais t'es con des fois quand même. Alors attends, t'en avais combien? Alors j'avais 2 de chaque. 2 blanches et 2 rouges. Alors, les deux. Alors 2, tiens. Par contre, les deux autres, je les ai mis dans le truc, dans le... Ouais, avec la viande de zombie, j'aurais assez. Ok, allez, vamos. T'es où? Bah, je suis. Ah, c'est juste là. Je suis fou. Bah, je descends. Mais pourquoi t'as balancé des trucs? Pourquoi y a des bulles vertes qui sortent de toi? C'est parce qu'en fait, je crois que j'ai bouffé de la viande infestée de zombies, mais je sais pas quoi, qu'est-ce que ça fait la viande de zombies. Donc, je m'en fous. Apparemment, je perds pas de vie, rien, donc. Hulk avec des bulles vertes, ça fait marrant quand même. Ah, ouais, ça fait Sodat, c'est la moitié. Après, le Père Noël pour Coca-Cola a découvert Hulk pour un soda absolument imbuvable. Gotocola. Putain, t'es pas rapide, hein. Eh, hey, mais ta gueule, j'ai peur de tomber. Putain, je fais que ça depuis le début de la série, alors tu je vais peut-être me calmer. Tu vois où je suis ou pas? Non, mais pour l'instant, je m'occupe de pas tomber. Alors, ta gueule. Au fait, y'a qu'à deux. Hein. T'es... Ah, oui, bah maintenant je te vois, oui. Y'a qu'à deux, hein, t'oublies pas. Eh, hey, connard. Qu'à deux. Parce que les gens auront pas oublié à cause du compteur. Moi, je suis pas, je vais pas pour l'instant, je m'en fous. Vas-y, vas-y. Bah, je suis descendu là où on était tout à l'heure. Ah, ok. Et t'as des... y'a plus de zombies? Pour l'instant, non. Ah non, j'ai peur. Ah bah, j'en entends un. Quoi? J'en entends un, il dit ouais, un truc comme ça. Ah tiens, encore un coffre, nickel. Oh yes, de l'or, du pain, du col, du redstone, du bread et du lapis azuli. Putain, jackpot! Et là, on revient à une grotte où on avait déjà exploré. Alors, toi, t'es parti de quel côté quand t'es arrivé à la mine? Ah bah, là où il y a des torches. Bon, Coucou! Alors... T'as vraiment gueule de con, mon gars. T'es peut-être mort que deux fois, mais putain. Alors là, il y a encore un autre truc. Putain, regarde ce... Ça fait penser dans les trucs de fourmis, c'est les fourmilières de fourmis. Attends, on passe par là, regarde, c'est là où j'ai découvert. En même temps, une fourmilière d'araignée, je vois pas trop. T'es où? Alors là, je vois un zombie. Alors, t'es où? Attends. Deux secondes, il y a un zombie, là. Voilà, c'est bon. Là, je vois, regarde, je suis là. Ah bah voilà. Donc en même temps une fourmilière d'araignée c'est pas franchement très très pratique hein. J'avais dit quoi? Alors là j'entends une araignée par contre. Ah, il y a un coffre devant qui vole. Oui c'est bon. Il vole. J'ai déjà pris. Pourquoi il vole le coffre? Alors là je vois de l'eau en bas, de l'eau en haut. Ah un creeper, ah c'est bon ils sont morts de toute façon, il tue pas. C'est bon. Ah bah ça y est parti. Si tu veux, Lucas. Il y a plusieurs zombies, je crois, quand je te dis ça. Mais grouille-toi de mettre des torches, moi j'en ai pas et ça me stresse, je suis obligé de te suivre. Il y a deux zombies en bas. En bas on passe par là, regarde où je suis. Oui, mais c'est bon, je te vois là, par contre. Ouh, ça me rassure pas, ça. Quoi? Non, passe pas par là, je le sens pas. C'est mon... Quoi? C'est mon... Non, mais je sais pas, j'entends un zombie. J'ai pas trop envie. Mais genre, alors le loot, maintenant que j'ai vécu cette expérience, je pourrais... Tiens, je t'ai passé des torches, Ah ouais, j'en ai 15. La moitié de ce que j'avais. T'as de la chance. Alors là, c'est une grotte assez spéciale, c'est pas du tout haute, sauf qu'elle est assez large. Ouais, et puis qu'elle est relativement chiante pour se déplacer. Enfin, ça part dans tous les sens. Et en plus, il y a de l'eau partout, allez hop. C'est la fête. Comme tu dis. Par contre, faudrait éviter de mourir quand même. Avec tout ce que j'ai avec moi là.
Ah bah moi ça va, la source de l'eau était pas très loin. Attends, je vais me nourrir un petit peu. Tu vas mourir un petit peu. Me nourrir. Ah, me nourrir. De la lave, je crois. Où ça? Soit c'est de la lave, soit c'est un donjon là, au fond là-bas. Parce que c'est illuminé. Au fond là-bas. Tu vois pas? Alors attends, je vais faire un pont. Je pense que t'es devant en fait. Ah oui. Alors. Ou alors on est revenu à notre point de départ. Ça c'est pas impossible non plus. Bah c'est un peu con puisqu'on a on est allé tout droit. C'est ma faute. On a quand même pris quelques virages. Alors là par contre, faut que tu m'expliques comment tu vas continuer ta passerelle. Hé hey, connard. Il y a une torche. Il y a une torche. Un zombie. Un zombie à côté d'une torche. Je crois qu'en fait ton truc de repousser les torches avec les zombies avec les torches ça marche pas. Oh je vais te pousser dans le vide. Ah non. T'es tombé tout seul là? Non non. Je t'ai poussé? Non non je suis tombé. Enfin si je suis par mon propre gré. Attends laisse-moi lui. Bon. D'accord je voulais que tu me laisses grâce d'un sniper là mais bon. Tu descends? Hein? Ouais, je suis là. Je vais peut-être prendre mon épée, ce sera plus utile à vous portant. Alors là, il y a. Du gravier. J'ai enlevé le gravier. Hein. Le gravier! Petit clin d'œil à Beast Mode. Ah oui, j'ai même pas fait gaffe, tiens. Moi, c'est surtout Bastien, enfin vous, quand tu ne sais pas, mais bon. Lui, il va comprendre. Alors là ça remonte putain mais c'est énorme. Ah bah y'a du fil là, tiens. On retourne en arrière, tu viens. T'es où? Ici. J'arrive. Ça lag un petit peu, non c'est bon. Et ça repart par là, punaise. Ah, un coffre. Ah j'ai cru que c'était un zombie. Melon seed, coal et bread. C'est quoi coal? c'est du charbon. Non mais je sais ce que c'est, mais c'est juste que tu l'as très 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 mal dit. Ta gueule. Tu vois, je prends Bismode qui est. Puisqu'on parlait de lui, qui est canadien, québécois, qui a un accent anglais de bâtard. J'ai plus de torche, on revient. Mais je m'en fous, j'étais en train de parler, connard. Bismode qui est. Dabox 9 qui est suisse, qui a un accent anglais de bâtard, et nous qui sommes français, qui avons un accent anglais. Voilà. On va pas qualifier notre accent anglais, puisque nos mots ne suffisent pas pour les qualifier. Voilà. Je pense qu'en France, on a vraiment des profs d'anglais pourris. Puis des profs de géo pourris aussi, j'étais encore perdu, fuck. Attends, je ne bouge pas, c'est bon, je te vois là. Ah, c'est bon. T'es quand même pas doué. C'est toi qui vas trop vite, hein. Tu sais, quand on venait avec un débutant, on s'adapte à son niveau, que ce soit au ping ou sur Minecraft, connard. Oui, puis du coup, parce que lui est débutant et moi je suis pas débutant. Eh, hey, connard, c'est ma deuxième année. Bah, moi c'est ma troisième et je suis trois fois plus fort que toi. Non, c'est pas logique. Quoi. Oh là, hé, c'est quoi qui m'attaque? Oh là là, non, mais t'es tombé, c'est tout. Est-ce que t'as de la pierre? Ah oui, d'accord. Bon, c'est pas grave. Tu sautes et tu mets un truc de pierre en dessous de toi. Est-ce que j'ai de la pierre? Non, j'ai que du fer. J'ai pas envie de utiliser du fer pour remonter. Bah, attends, je viens avec toi. Ça? Attends. Bah, recule un peu. Faut que je mette le bloc. Viens. Viens. Ah merde. Non, on peut pas monter. Trop blanc. Voilà. Non, bon, bah maintenant, pendant les blancs, je chanterai. Alors, voilà. parlons, non, faut parler, faut pas que Guerre en sorte, sinon on va tous mourir. Voilà. Sinon ça va, ouais, la classe, ouais, bon, tranquille. À ce rythme-là, je préfère encore chanter. Ah bah, on est revenu au coffre volant. Voilà, tu viens. On va déposer tout ça. Il revient à la légende du coffre volant. Non, attends, non, c'était là. Et non, je t'ai dit de pas chanter, connard. Et pourquoi tu as le droit de faire un stupide dreamer et pas moi? Puisque c'est mes épisodes. Alors que là, c'est nos épisodes, il faut mon consentement. Et ta musique de la patate, alors?
La vidéo patate, ça c'était ma vidéo et j'avais mon consentement puisque c'est ma vidéo. Et t'es où? Bah je suis remonté, t'es où toi? Alors moi j'étais perdu. Bon attends, je de toute façon maintenant j'ai l'habitude alors. Alors moi je suis devant un trou moi. C'est bon, je suis là, regarde. Oh, oh, derrière toi. Oh, oh. Mais qu'est-ce que tu foutais dans un trou noir sans torche? Mais il n'y a pas de trou noir là. On revient. Moi je suis désolé mais c'est pas éclairé. Bah là on revient à notre grotte hein. Ah bah ça donnait pas l'impression que ce soit notre grotte. Mais bon, avec mon sens de l'orientation. On bon, fait, vous deux, fait... ça fait combien là? C'est le cinquième épisode? Ouais, c'est le cinquième. On je pense fait... que les gens commencent à être habitués. Hein. On a fait combien de minutes pour l'instant là? Je sais pas, c'est ça qui est chiant qui frappe, ça donne pas le nombre de minutes. Eh, hey, faut mon consentement pour chanter. Est-ce que je peux mettre la musique? Comment ça? Mettre la musique là, tout 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 tout. Ah oui, j'avais oublié, lui il est trop fier, il vient de trouver qu'est-ce que c'est le titre de cette chanson, mais bon. C'est Funky World, non c'est Funky, attends je vais vous trouver le titre. Funky Town de Lips. Alors je vais vous faire écouter. Le son est peut-être pas top, hein, je sais pas. Tu entends? Monte-là ou quoi, merde. Ah, on peut pas faire d'autres pas. Nous dis pas que t'es pas perdu là. Hein? Nous dis pas que t'es pas perdu. Non, je me fais une passerelle plus pratique. Ouf. Parce que si tu m'aurais dit que t'étais perdu, mais là, mais. Je suis perdu aussi. Arrête. Non, non, je déconne. Oh, heureusement, sinon, mais là. Je t'aurais qualifié de. Autiste au carré. Ah bah, tu sais, tout à l'heure dans le bus, j'ai entendu des meufs qui parlaient de racine au cube. Au cubique, racine cubique. Racine cubique. Oui, non, mais les filles, tu sais. Alors, j'ai des redstone. Franchement, surtout que c'est des terminales. Après, fille ou pas. Ah, c'est des terminales, ok, autant pour moi. Eh, hey, mais t'es macho en fait. Enfin, remarque que je m'en fous, je suis un mec jusqu'à preuve du contraire. Attendez, je vérifie. Non, c'est bon, je suis un mec. Ok, merci. Au moins, on sait maintenant. Je peux la mesurer aussi si tu veux. Non. Ah bon, parce que moi, ma règle est pas assez grande. Lol. Oh my god, il y a un zombie dans la maison. Ah bah pas du tout, moi. Si, je suis en train de le faire. Attends, qu'est-ce que tu fous là? Ah ouais, quelques blocs de trucs noirs, t'as raison. Il va peut-être falloir mettre une porte quelque part ici. Hein. Je vais me faire une épée en or si tu veux. Pour moi. Une épée en quoi? Je vais me faire une épée en or. En or? Putain, enfoiré. Moi j'ai du métal sur moi. Bah t'en fais un, vas-y. Je suis beau. Comment on fait des lingots de métal? Ta-da-da-da. Regarde ça, putain, ça claque. Oh my god, ouais, my god, ouais, my god. T'as du blé dans la main. Quoi? T'as du blé dans la main, putain. Attends, regarde. Là c'est pas du blé, regarde. Yo. Ça c'est de l'arme, mon gars. Si, si. J'ai aussi une torche en fer si tu veux, parce que j'en ai deux. Comment on fait des lingots de fer, c'est avec du... Faut les faire fondre? Ouais. Ah merde. Attends, je vais mettre du... Je vais mettre de... Ah bah il y en a déjà dedans en fait. Ouais, et je vais en rajouter un. Attends, bah moi je suis en train d'en faire cuire deux là. Ah tu t'as remis du charme. Il y en a déjà 7 dedans, regarde. Ouais, j'ai vu. Bah tu peux les prendre. Ouais, mais attends, je... Tiens, je te donne une pioche en fer si tu veux. Ah, une pioche en fer, ouais, mais de toute façon, je peux en faire. Tiens. Et il y a peut-être plus de sticks par contre dans les réserves. Bah, t'en fais avec les mots. Bon, on redescend. Je peux pas prendre. On redescend ou on finit. Si on faisait un épisode un peu plus long que d'habitude, genre 30 minutes, 35 minutes. Bah, je pense pas que ça fasse très très longtemps qu'on y soit. Hein. Enfin, après, je me rends pas très très bien compte du temps. Bah, tu te rends pas du tout compte alors. J'ai pas le sens du temps, j'ai pas le sens de rien du tout en fait. C'est gaisant, quoi. C'est Buléon, autant pour moi. Désolé. Ouais, puis lui il a pas le sens de la mémoire non plus. Alors on appelle pas ça le sens de la mémoire, on appelle ça la mémoire tout court, monsieur. Eh hey, connard. Tiens, je vais faire une jolie entrée. Alors. Bon. Ben je peux même pas me faire une épée en métal, fais chier. C'est pas grave. Alors, on fera une porte pour la mine aussi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as mis des blocs de pierre autour de la mine? Ça fait plus zoli. Ça fait plus quoi? Zoli. Ah, ça fait beaucoup plus zombie. Quoi, t'as? Il est différent, mais on l'aime bien quand même.
Eh mais bouge pas la deuxième entrée de la pote de la. De toute façon, on s'en sert jamais. Attends, je vais faire un petit truc. Attends, regarde. Ok, je m'éloigne. Admirez la grâce de Hulk qui construit. Vraiment, avec des jolies roues flaquettes. Qu'est-ce que t'es con. J'ai pas vérifié qu'est-ce que c'était des roues flaquettes au fait. S'il y en a qui pendant les commentaires pouvaient nous dire ce que c'est vraiment des roues flaquettes, parce que je crois que c'est pas des chaussures. Bah moi c'est pour moi maintenant c'est des chaussures, connard. Ok, maintenant, roue flaquette est un terme qui désigne chaussures pour dans le monde de The Duplex Show. Allez, tu viens, on descend. The Duplex Show World. Ah, ça le fait. Non, là, ça le fait plus. Là, je mange un petit peu. Ah, bah, y'a un zombie. Y'a deux zombies. Y'a deux zombies et un squelette. À l'écran maintenant, trop classe. Y'a deux zombies et un squelette, quelle bande de connards. Comment ils arrivent là, les enfoirés? Alors, attends, j'avais un projet de me faire. De me faire un petit truc, je propose qu'on coupe la vidéo le temps que je fasse le truc. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux te faire, mon cher Godin? Alors, en fait, je vais. Ah non, ce serait de réexpliquer, faudrait qu'on garde le. Je te dirai ça tout à l'heure. Bon, est-ce que tu me permets de couper la vidéo et qu'on coupe. Ah merde, je suis tombé! Oh non, putain, après c'est moi qu'on traite de bolos, ça m'énerve. Bon, t'es d'accord pour qu'on coupe un peu la vidéo? Vite fait. C'est bon, je remonte. On coupe la vidéo? Alors, pourquoi faire? Non, mais je t'expliquerai, vas-y. Bon, on revient tout de suite. Allez, donc, alors, mesdames et messieurs, donc là, je dois dire que je suis plutôt impressionné par le petit exploit de Gotham, je vais pas m'aventurer trop près. Donc voilà, ce magnifique trou que vous voyez en partie parce que j'ai peur d'aller plus loin, c'est Gotham qui l'a creusé. Et on va le tester. C'est magnifique. Bon, je vais le tester, t'es prêt? Allez, vas-y. 3, 2, 1, go! Alors on va vous expliquer quand moi je vais sauter. Allez, moi j'y vais. Alors faut pas aller là où il y a le cobblestone. Allez, moi je me lance. Ah, ah, tu vas tomber sur moi, c'est bon. Vas-y. Ah, yes. C'est génial. C'est un puits d'eau pour nous rattraper quand on va tomber. Regardez d'où est-ce qu'on est tombé, si c'est pas beau ça. C'est énorme. En fait non. Oh my god, qu'est-ce que c'est beau. Oh t'as géré. Alors là je dis chapeau Gotok, je sais pas vous, mais putain, fallait y penser à cette idée là. Bah ça, c'est connu hein. Bah ouais, mais même je connaissais pas. Et c'est beau. C'est trop marrant quand même. Ah yes. Ah, je remonterai bien juste pour le refaire. Attends, tu m'avais demandé. C'est de... fini de cet escalier tout pourri de la mine qu'on a fait là-bas. Maintenant on descendra par là. Maintenant faudrait trouver un moyen de monter, tu vois. Ah oui. Ouais, ça ce serait pas con. Le mieux ce serait une échelle, mais bon. Allez, on remonte. Je crois que l'épisode, on va l'appeler comment? On va l'appeler un puits vers le futur. Non, le plongeoir. Alors on remonte? Ouais, moi je suis déjà en haut. Hein. Ok. Alors voilà, cet escalier tout pourri vit ses derniers instants. Parce que mon dieu, qu'est-ce qu'il est dangereux, hein. On arrive en bas, on peut mourir. Alors, sa technique, je vous dis juste qu'il y a un petit problème, c'est que pour se retenir, il a mis un cube tous les 4 étages de cube. Et du coup, si on se rate et qu'on saute pas au bon endroit, et ben, on crève. Voilà. Attendez, merci, c'est peut-être merci pas très Godot, clair avec... Je te disais que t'étais génial, mais quand même, t'es génial jusqu'à un certain point. Hein. Attendez, parce que je sais pas s'ils ont compris ton explication qui n'était pas vraiment très claire. Alors, ben, on va voir ça. Hein. En gros, voilà, il y a 4 cases pour descendre et il y a une case où il y a un morceau de cobblestone pour nous rattraper au cas où. Si on veut mourir. Allez, on fait en même temps? Attends, j'arrive. On fait une case différente. Alors, une case différente, donc moi faut que j'aille de l'autre côté. Ah, non, bah, je suis là. Je suis là. Fais gaffe, là où t'es, je crois qu'il y a le cobblestone. T'es prêt? Allez, moi je vais là où j'étais tout à l'heure. Allez, moi je suis 3, prêt. 2, 1, go! C'est énorme. Oh my fucking god. C'est trop bien. Bon, maintenant faut trouver un moyen de remonter. C'est-à-dire que je pense qu'on va faire un trou juste à côté et puis ton truc de puits d'eau infini et tout, on va s'en servir pour faire une cascade et redescendre par là. Non, je pense que la cascade c'est un peu long, je trouve. Enfin, après c'est toi qui vois. Ouais, on essaye une cascade, attends. Je vois pas hein, les ascenseurs dans Minecraft, je suis pas sûr que ça existe. Hein. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pris un peu d'eau. Ah bah non, gâche pas notre eau, toi. Mais c'est bon, l'eau, regarde, elle reste là. C'est un puits d'eau infini. C'est-à-dire que tu prends de l'eau. Oui, sauf que tu regardes, ça fait un truc bizarre ici. Mais ça, on s'en fout.
connard. Bah non, c'est plus beau. Faut que ce soit beau. Si c'est pas beau, je suis pas content. T'es où? Je suis en train de monter. Eh, faudrait peut-être que tu me penses à me rendre mon saut un jour, parce que je te rappelle que tu m'as pris mon saut. Attends, je m'en sers pour faire la belle cascade. Et attends, j'arrive. Par contre, je pense qu'on va bientôt clore l'épisode. Hein. Ouais, ce sera pas mal. Donc, on avait prévu un épisode d'exploration, mais Gotok et son éclair à demi-génie nous ont coupé. Je suis trop content. Donc, finalement, ça va pas être un épisode si terrible que ça, parce qu'on a quand même un super skin de Mario et de Hulk. Ah bah, j'ai plus de... Moi, je prends mon ancienne pioche. Je viens de foutre en l'air ma pioche en fer. Bon, là, alors, fais gaffe, je suis en train de faire un nouveau conduit qui descend. J'arrive. Non, mais fais gaffe, hein, j'ai rajouté un trou. Maintenant, il n'y a pas 4, mais il y en a 5. Eh ben, je me doute bien. Maintenant, il y aura plus de cases pour nous tuer. Ah bah, ça, c'est déjà pas mal. Alors, t'as fait un truc bizarre là, ok. Là, c'est comme ça, et là... Bon, je suis bientôt en bas, moi. Ah, ça va, je suis bientôt en bas. Et donc, ça servait à quoi? Pourquoi t'as fait un trou? Je t'écoute. Bon, tu vas. Nickel. Bon, je remonte, attends. Je vois ton petit carré qui se déplace. Tu me rends mon saut en remontant? T'as rempli les deux? Ouais. Je suis en train de remonter. Si tu me rends mon saut plein, je suis... Attends, je vais te retrouver à la sortie. En fait, je pensais bien marrer. Ah, c'est trop bien, quand même. J'arrive et... Coucou! Non, il m'a pas vu, il est con. Ouais. Je suis passé à quoi? 5 cm de toi, même pas. Oui, non, mais peut-être que je t'ai vu, enfin, non, je t'ai pas vu, mais j'avais un peu la flemme de te dire coucou, puisque je suis en ce moment même en train de te parler. C'est vrai, mais bon, quand même. Donc là, je suis derrière toi. Alors attends, je réfléchis, ce qui est rare pour moi. Ça fait un peu mal à la tête, tu trouves pas, de réfléchir? Non, je déconne. Alors mon saut, connard. Alors attends, je fais juste mon truc pour voir si ça marche. Mon saut. Je m'en fous, mon saut. Attends. Mon saut, je te pousse dans le vide. Ah, je peux plus. Si, je peux. Tiens. Alors, t'as remis l'eau. Ah bah t'as fait la 4-4 sans moi. Faut que j'en fasse une aussi ou quoi? Non, c'est bon. Voilà. Attends, je replonge, moi, c'est trop bien. Et après, je vais remonter avec ça. Oui. Et là, hop, j'ai joué. Je te vois. Quoi? Alors, par contre, quand tu montes, t'appuies tout le temps. Oula, une deuxième cascade. T'as rajouté une deuxième cascade? Ouais, en fait, j'ai mis le saut et du coup, ça m'a poussé. Ah, c'était beau. Et pourquoi je peux pas utiliser la cascade pour remonter? Alors, faut que t'ailles dedans et après tu mets à moitié ton corps dans la cascade et l'autre moitié sur dedans en dehors. Ça y est! Oh my fucking god, les gens, c'est trop bien! Ouais. C'est trop bien quand on arrive à l'utiliser, mais bon. Ah putain! Faut avoir l'habitude. Que ça y est, je suis dedans. Enfin, une petite parenthèse avec une échelle, ça ira 10 fois plus rapidement, mais bon. Hein, c'est pour le faire. Ouais, mais bon, c'était beaucoup plus long à faire au niveau du bois. Puis là, c'est quand même beau. Bon, je pense qu'on va se quitter par cette belle image avec encore Hulk qui est au-dessus de Mario. Ah, je tombe, fais gaffe. En haut, non, c'est bon, je suis remonté. Fais gaffe, en haut, puisqu'il y a du courant. Ceux qui sont chez Gotok, ils voient un beau Mario en train de monter dans l'eau. Alors, voilà. C'est vrai que c'est bon, quand même. Bon, on clôt l'épisode. Alors attends que j'arrive en haut. Coucou. Boum 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 boum. Ah bah putain. Aïe. Non. C'est bon, je suis là. Bon bah voilà, c'était le 5e épisode de The Adventure, de Pexo. J'espère que vous a plu. Enfin moi ça m'a bien plu de faire tout ça, c'était bien marrant. Donc voilà, alors à la prochaine pour un nouvel épisode encore plus palpitant. Ciao tout le monde. Tu te rends compte juste que quand tu dis des adieux, t'es quand même en train de bouger. Oui, non, mais je sais, je bouge tout le temps. Allez, ciao.